Hello and welcome! My name is Louis and you're listening to Daily French Pod, your daily dose of French language as it's spoken by native speakers. Learning together is better than learning alone, don't you think? I recommend Italki to find a professional online native French teacher. I've tried it and it works! Go to dailyfrenchpod.com forward slash Italki I -T -A -L -K -I, to get a free lesson With your first purchase. Aujourd'hui, en baisse de 46%. Des chiffres obtenus par des journalistes montrent que les arrestations pour possession de cannabis en Angleterre ont chuté de 46% en 2010. Once again, des chiffres obtenus par des journalistes montre que les arrestations pour possession de cannabis en angleterre ont chuté de 46 en 2010 don't forget when you subscribe to daily frenchbud you gain access to hundreds of great learning french tools such as pdf learning guides interactive exercises video lessons and dictations On commence avec le mot chiffre. On dit un ou des chiffres. Un chiffre, attention, deux F. Un chiffre, figure, figures, des chiffres au pluriel. Exemple, les chiffres du chômage vont tomber cette semaine. Vont tomber, cela veut dire, vont être connus, vont être publiés. Les chiffres du chômage vont tomber cette semaine. Ou bien, les statistiques montrent des chiffres de la natalité. Les statistiques montrent les chiffres de la natalité. Obtenu. Obtenu, c'est obtain. Ce, Ce gâteau a été obtenu avec beaucoup d'efforts. Ce gâteau a été obtenu avec beaucoup d'efforts. Ou bien, le résultat obtenu est merveilleux. Le résultat obtenu est merveilleux. On continue avec le mot journaliste. Un journaliste avec un E à la fin. Journalist en anglais. Exemple, 60 journalistes travaillent dans la rédaction. 60 journalistes travaillent dans la rédaction. Ou bien, un journaliste travaille à informer les gens. Un journaliste travaille à informer les gens. Montre, c'est le verbe montrer, er, to show, montrer. Exemple, ce graphique montre les prix dans les années 90. Ce graphique montre les prix dans les années 90. Ou bien, mon fils me montre son carnet de notes. Mon fils me montre son carnet de notes. Une ou des arrestations. Avec deux R. Une arrestation. Arrest en anglais. Exemple, la police a fait deux arrestations aujourd'hui. La police a fait deux arrestations aujourd'hui. Ou bien, l'arrestation du suspect a soulagé la population l'arrestation du suspect a soulagé la population possession comme en anglais une possession deux fois deux s la possession de drogue est interdite la possession de drogue est interdite et on dit être en possession de être en possession de. Ensuite, le cannabis, c'est comme en anglais. La consommation de cannabis est interdite. La consommation de cannabis est interdite. Ou bien, en Hollande, le cannabis est autorisé. En Hollande, le cannabis est autorisé. Enfin, chuter. Chuter, c'est dropped. Chuté, la consommation a chuté de 10%. La consommation a chuté de 10%. Ou bien, l'intérêt pour ce peintre a chuté ces dernières années. L'intérêt pour ce peintre a chuté ces dernières années. Des chiffres obtenus par des journalistes montre que les arrestations pour possession de cannabis en Angleterre ont chuté de 46% en 2010. If you want to practice your spoken French, I offer one-on-one -on -one lessons via Skype. For more info, please contact me at logokala, l -O g o k a l a at hotmail.com.